Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment consulter et noter les devoirs que tu reçois. Donc, première des choses, si tu as affiché tes devoirs sur le flux, tu vas voir directement ici les travaux qui te sont remis et ceux qui sont en attente d'être remis par tes élèves. Donc, tu peux passer par ici pour accéder directement au travail en question. Une autre façon d'accéder rapidement à ces devoirs, c'est de passer par le menu ici à gauche et d'aller dans le à corriger. Donc, à ce moment-là, toutes les classes sont regroupées et j'ai un portrait de tous les travaux qui sont remis ici et qui sont en attente d'être notés. Il est possible d'aller sélectionner une classe en cliquant ici sur la flèche et en allant sélectionner le cours en question. Si vous voulez voir les travaux qui sont déjà corrigés, vous avez simplement à cliquer ici et vous allez pouvoir voir les travaux qui sont corrigés. Donc, on voit que je n'ai présentement pas terminé de corriger aucun des travaux pour tous mes élèves. Donc voilà ici dans ma situation d'écriture. Donc je vais ouvrir le travail de cet élève. On voit que l'état du travail est un rendu, donc il a été remis par l'élève. Donc je peux le corriger. On voit que l'élève avait plusieurs travaux ici à droite à me remettre. Je vais tout de suite passer au Google Doc, au texte écrit par mon élève. Donc ici, j'ai le texte écrit par mon élève. Donc une des façons de noter le travail qui a été fait de l'élève, première des choses, c'est de sélectionner par exemple un mot ici, de cliquer sur ajouter un commentaire et d'inscrire notre commentaire. Par exemple, erreur d'orthographe. Et je clique sur commenter. Je peux également sélectionner une phrase au complet. Cliquez sur Ajouter un commentaire et ajouter un deuxième commentaire. Dans l'interface, j'ai accès directement à une banque de commentaires que je peux créer et que je peux aller chercher. Donc, pour aller chercher mes commentaires, je dois tout simplement appuyer sur le dièse et je vais voir apparaître ma banque de commentaires. Il me suffit de sélectionner parmi les commentaires que je vois. Si vous avez beaucoup de commentaires dans votre banque, vous pouvez également taper un mot et automatiquement, les commentaires associés à ce mot vont vous être proposés. Il vous suffira de sélectionner le bon. Donc, par exemple ici, et je fais commenter. Pour ajouter des commentaires dans votre banque de commentaires, il suffit de cliquer ici. Vous allez voir vos commentaires. Vous pouvez également les supprimer. Donc, en cliquant trois petits points, je fais supprimer. Si je désire en ajouter un nouveau, je vais cliquer ici sur le plus et je peux ajouter mon commentaire. Et je clique sur Ajouter, il va apparaître ici. Si je veux ajouter le commentaire que j'ai mis ici dans ma banque de commentaires, je vais simplement cliquer sur les trois petits points ici et dans le menu contextuel, je vais sélectionner Ajouter à la banque de commentaires. Et il vient maintenant d'apparaître ici dans ma banque de commentaires. Donc, retournons sur l'option de notation et je vais descendre ici. On voit que le travail était sur 30 et que j'ai ma grille d'évaluation ici dans le bas. Il suffit de faire un survol avec votre souris pour voir les divers niveaux qui sont proposés. Si je clique sur un niveau, il est maintenant sélectionné et le nombre de points s'affiche ici. Si je veux voir la description complète de mon critère, je peux aussi cliquer sur la flèche ici pour faire afficher la description complète. Je complète la grille d'évaluation pour cet élève et je peux ici, dans le bas, ajouter un commentaire privé à mon élève. Donc, je vais publier mon commentaire et ce, même si son travail corrigé ne lui a pas encore été rendu. Une fois le travail corrigé, n'oubliez pas de lui rendre celui-ci. Donc, je vois ici la note de l'élève. Je le vois également ici. On voit qu'elle est en brouillon. Donc, je peux passer d'une copie à l'autre pour de chacun de mes élèves. Ici avec les flèches, donc je peux passer à ma prochaine élève et aller voir son travail ici. Mais je vois qu'il n'a pas été remis, donc je ne vais pas le corriger pour l'instant. Voyez également ici en rouge qu'il est inscrit non rendu, donc je n'ai pas remis la copie corrigée à l'élève. Si je désire lui remettre, je peux simplement cliquer ici. Si je vais voir la flèche ici, on voit que je peux rendre que ce devoir ou rendre tous les devoirs que je viens de corriger, si j'en ai corrigé plusieurs. Donc, je vais faire rendre ce devoir et on voit que l'élève va recevoir une notification
et qu'elle pourra consulter cette note. Une fois que vous avez terminé de corriger un travail, allez vis-à-vis celui-ci, cliquez sur les trois petits points et marquez comme corrigé. Donc, il va disparaître de votre liste à corriger et il va apparaître dans votre liste de travaux corrigés. Finalement, une dernière façon d'aller accéder aux divers travaux et de les corriger, c'est de cliquer ici dans le cours sur notes. Donc, vous allez avoir accès à votre carnet de notes. Et dans le carnet de notes, vous allez voir l'ensemble de vos élèves ainsi que l'ensemble des travaux. Vous allez voir le total de points pour chacun des travaux et vous allez voir également s'il a été remis. Donc, quand on voit attribuer, ça veut dire que l'élève ne l'a pas fait. Vous allez voir aussi s'il est manquant, donc passer la date limite. Et lorsqu'il est remis, vous allez voir la mention remis. Si vous désirez corriger ce travail, il suffit de cliquer sur les trois petits points et de cliquer sur voir la contribution. Donc, vous serez dirigé automatiquement vers le travail de l'élève. Donc, on voit ici sur le flux, je vois mon travail et je vois que j'ai maintenant un travail de noter. Nous voici maintenant dans l'interface élève. Si vous remarquez ici, nous avons notre situation d'écriture. Donc, l'élève aperçoit que son travail a été noté. Donc, il peut cliquer ici. Il va consulter sa note. Il va également voir notre grille d'évaluation. Il peut développer le critère pour mieux comprendre son résultat. Pour l'élève, il est aussi possible de passer dans Travaux et devoirs, de cliquer sur Afficher votre devoir, et il va voir l'ensemble des travaux pour ce cours. À gauche, l'élève a également accès à certains filtres pour voir les travaux attribués, les travaux rendus ou les travaux manquants. Donc, par exemple, dans les rendus, on voit que la situation d'écriture apparaît ici et on voit le résultat également apparaître. Donc, l'élève peut passer par ici. On remarque également qu'il y a un commentaire pour l'élève sur ce travail. Donc, il aperçoit ici les pièces jointes et le commentaire sur le travail.